Salut à tous les amis, c'est Aquasis et bienvenue sur une nouvelle map aventure du nom du manoir d'Herobrine, Herobrine's Mansion, une map créée par Hypixel, un redstoneur de génie dont on ne vante même plus les mérites. Il a fait tellement de trucs absolument incroyables, c'est impressionnant. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Hypixel, je vous conseille très fortement de voir un petit peu tout ce qu'il a fait. Franchement, ça vaut le coup et vous aurez l'occasion de bien vous amuser. Alors, qu'est-ce Herobrine's Mansion? Eh bien, Herobrine's Mansion est une aventure à la limite de l'hardcore un peu, dans lequel nous allons devoir nous battre contre Herobrine, divers boss, ça va être vraiment très passionnant. Honnêtement, j'avais très envie d'y jouer, et j'espère que vous aurez tout aussi fébrile que moi. Donc ici, tout ce qui nous concerne autour, concerne uniquement le fait que ce soit un multijoueur. D'ailleurs, du fait que ce soit un multijoueur, hop, easy mode, avec un Z, d'accord. Ouh, bah ça a ouvert la porte tutoriel. J'ai donc choisi le mode easy pour la simple bonne raison que déjà quand on est à plusieurs c'est pas facile. Mais alors quand on est tout seul quoi. Alors attendez, d'ailleurs, hop, bah oui, ça m'a bien dit. Alors voyons voir un peu ce que nous avons. Donc boss fight, dummy tutorial test. Oui, donc le test tutoriel pour les nuls. Enfin pour les débiles plutôt. Wow. Ah, dégage. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut que je le tue. Bon, j'ai pas d'arme moi. C'est pas juste! Dégage! Donc, cette chose avec une épée est un boss. Il faut savoir que, donc, bah là j'en profite, donc je le spam de manière absolument méchante. Oh! Oh! Un CD! Les drops sont. Même les drops! Mon dieu! Je ne sais pas comment il a fait, mais. Alors, donc, quand vous tuez un boss, il va laisser donc un CD de musique que j'ai. Et il faudra utiliser, ok, donc dans le jukebox pour désactiver les capacités du boss. Même s'il est mort, je n'ai pas tellement compris. Et ouvre la porte. Yeah! Alors, trois équipements customisés sont disponibles sur cette map. Un, celui de la ténacité, de l'angélique et du démon. Pour obtenir le set démoniaque, vous obtenez le set démoniaque, pardon, des boss. Des shops et des monstres d'élite. Wow. Attention, c'est difficile là-dessus. Ouais, j'ai bien remarqué. Bah déjà, je vois qu'il a une épée en diamant enchantée. Hein, ça se voit. Le quest log. Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Quête 1. Non, c'est toujours la même. Ah, c'est pour le nombre de joueurs. Bon, eh bien, on va garder celle-ci. Très bien. Alors. Fin du tutoriel. Did you really read it a lot? Ah, faut peut-être que je finisse. Alors, donc quête numéro 1, quête numéro 2, quête numéro 3. Wow, warning. Oui, la quête numéro 6. Oui, Hypixel est disponible sur est à voir sur YouTube, hein, où il montre toutes ses réalisations dessus. C'est suffisamment intéressant pour qu'on s'y attarde. Wow. Ouh, des chauves-souris, j'adore les chauves-souris. Alors, voici donc ce coffre avec des épées, 4 de dame, 4 de dégâts. Attends, il nous donne les dégâts aussi. Wow. Ok, alors voyons voir. Donc d'abord, sauvez Victor et son ami des zombies. Vous pourrez les trouver se cacher dans la petite maison devant le manoir. Eh bien, le manoir, le voilà. Mon dieu, que c'est beau. Et tout ceci est fait avec les blocs de commande et la redstone. Waouh, ça commence déjà. Dégage. Attends, ils ont des têtes. Mais comment il a fait ça? Honnêtement, c'est vrai que tout ce qui est la redstone, les blocs de commande, c'est quelque chose que je n'apprends pas à utiliser. Attends, il n'y a pas de durabilité sur les épées? Regardez ça. Waouh. Alors attendez, je sais pas ce qu'il a fait. Mais honnêtement, il a fait des trucs. Ça c'est sûr. Bon, eh bien on va continuer les amis. Donc c'est tout. Donc d'ailleurs j'ai remarqué. Oh. Ah, Victor. Aidez-nous étrangers, les zombies nous encerclent, nous sommes piégés. Ah, j'arrive. Ah, Victor et... Ils sont déjà plus tolérables, je veux dire, avec leur... L'année comme ça. Oh, mes effets personnels. Pour l'instant, j'ai rien arrangé. Ceci dit, je réparerai bien cette jolie petite épée. Ah, qui n'a évidemment plus de damage 4. Alors, donc... Ouh, des stones. C'est des stones... Waouh, attends, on peut stocker les... Ah oui, que je suis bête, bien sûr. Ah non, on peut pas. Mais c'est quoi ces bugs? Non, c'est Aquasis qui n'est pas habitué aux subtilités des bugs que font les mods en général quand on les utilise. Mais plus sérieusement, c'est vrai que les updates ont toujours amené Minecraft à le faire devenir donc
davantage un jeu, un RPG, plus un crafter de RPG qu'un jeu de survival. Lisa Blade, j'ai l'impression. Et honnêtement, moi ça me plaît, je vais pas mentir. Wow, il a une épée en diamant, le cochon. Oh, il a un squelette sur la tête. Waouh, t'as un masque, bro, c'est génial. Oh, le soleil est en train de me débarrasser de la population, trop. Casse-toi! Nia, casse-toi. Bon, j'ai sauvé Victor. Quelle est ma seconde quête? Rendez-vous dans la crypte et trouvez le roi squelette. Tuez-le et obtenez son disque de musique dans la jukebox. Quand c'est fait, soyez sûr d'avoir récupéré les gold nuggets. Victor sera capable de les échanger contre des loot très puissants. Oh, bah allons-y. Continuons, mes amis. Holy shit! Oh, merci le soleil, hein. Casse-toi! Maman! Oh con, il est lent. C'est ma chance. Il est lent. C'est ma chance. Pourquoi je peux pas courir? Ah! Vite. Manger! Du steak! Nom, 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 nom. Pourquoi il a un arc enchanté, le con? Et Victor, aide-moi! Vite! Nom, nom, nom. Ouh! Bon. Au moins. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dehors, mais il y a des monstres partout. Et pourquoi il meurt pas, lui? Il a un casque qui l'empêche de brûler, peut-être? Je sais pas, c'est possible. J'en ai aucune idée, les amis. Je dois vous avouer, honnêtement, moi, là, je subis les événements sans trop les comprendre. Au passage, je suis niveau 4 maintenant. Oui, on en a rien à péter du niveau 4. C'était Stone Sword. Encore une flèche. Oh, ce manoir est beau, j'ai envie d'y rentrer de suite, mais pour le moment. Nia, casse-toi! Casse-toi! T'es enchanté! Attendez! Vu qu'il est enchanté, c'est peut-être un des Evil Monsters qu'il me faut pour. Sur qui je suis censé looter quelque chose. Enfin, ils sont censés être difficiles à tuer, mais regardez-moi quelle vitesse il va, c'est horrible! Enfin bon, on va le laisser tranquille. Oh! Ouais, une pièce d'équipement, effectivement! Oh! Alors, voyons voir comment ça s'appelle. On se met un peu loin des monstres. Alors, donc ça s'appelle le Might Zulmu. Ok, donc protection, faire blasting, ténacité. Ah, c'est du set de ténacité. Génial. J'ai l'air beau comme ça, non? Eh bien, je propose de voir si. Non, pas les squelettes. Les squelettes, honnêtement. J'aimerais bien dropper leur. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah putain, ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux, les cons. Aïe, ils sont trois, les cons. Ils sont beaucoup. À quoi ils se demandent la fuite? Ah. Le roi squelette doit être. Je veux dire, le roi squeletton doit être ici. Je suis sûr qu'il en sait plus sur les intentions d'Herobrine. Ah oui, effectivement. Holy fucking shit, on va éviter. Oh là 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 là. Cassez-vous! Mon dieu, c'est l'orgie de squelette. Qu'est-ce qui se passe là? Holy shit, je vais mourir. Oh, tu remontes la vie, toi! Bordel de merde! Je vais pas déjà mourir. C'est que le début de l'aventure. N'empêche, vous avez vu le nombre de monstres qu'il y a, c'est terrible. Putain, heureusement que la nuit arrive parce que là. Tais-toi, parfum. Oh, c'est beau. En plus, tout a été fait à la main. Hein. Il faut savoir, tout a été fait grâce à Voxel Sniper. Enfin, à la main, oui, Voxel Sniper. Putain, pourquoi ma vie remonte si lentement? T'es lente. Tu te fais languir, on va dire. Bon. En plus, il y a un coffre. J'ai peur que le squelette ne sorte d'un coup, là. Une potion de régénération. Oh oui. D'où il vient le. Aïe 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 azaza. Il doit y avoir un putain de spawner. Aïe! Laisse-moi! Aïe aïe! Non, pas encore un! Non! Non! Hein? J'ai pas perdu mon stuff? Bon bah, je vais pas me poser de questions, hein, les amis. On continue. Alors, j'ai pas perdu mon stuff. Wow, il a droppé plein de trucs, le petit. Alors, oh, un casque, ça je pense que c'était pas prévu. Et les chain boots, non plus, je crois. Ouais, je suis pim comme ça, n'est-ce pas? Bon, ben, vu que la mort en plus ne m'enlève même pas, Aïe! D'où ça vient encore? Oh là là, il y en a vraiment partout, putain. Tu m'étonnes qu'il y ait que le mauvais. Oh putain. Aïe aïe aïe, non! Ah, mais c'est un zombie. Pourquoi on lui a donné un arc qui peut pas tirer? Bon. Je suis encerclé, cassez-vous. Je vous aime pas. Votre maman non plus ne vous aime pas. Allez-vous-en. Bon bah heureusement ils sont pas très forts. On peut avoir une pièce d'équipement. Ah, un pantalon.
Ah, encore une... Ah, non, oui, c'est... Alors, donc, Struggle Tyrons Leggings. Donc, protection. Et, oh, Unbreaking à 10. Oh, c'est excellent, ça, par contre. Ah, encore une potion de régénération. Ça, je la veux bien. Oh, attendez, j'ai d'autres pièces d'équipement. Oh. Ah, bah, attendez, mais j'ai tout de... J'ai tout le stuff de la ténacité. Et les boots. Ouais. Unbreaking, etc. Ouais, bah, j'ai déjà tout. Ah, bah, ouais, ça va bien m'être utile, hein, vu tout ce qu'il y a. Comme, comme monstre... Oh, encore un set de... J'ai déjà un truc de la ténacité. Rien. C'est le même. Bon, ben... Ah non. Très, très, très mauvaise idée à quoi. Ouh là là, tu vas casser l'enchantement. Tu vas être très con. Donc, tu vas éviter de faire ça. Ah, mon Dieu. Ah non, ils sont encore... Ça va, ils ont encore du... Oh, ça, au moins, c'est facile. Ils sont pas... Ils sont lents et ils ne tapent même pas. Si tu ne laisses pas te faire un câlin... Non, je ne suis pas pour les free hugs. Non. Vous allez me laisser tranquille, messieurs. Je ne tolère pas ce genre de... Ah. Ouh, encore un... En fait, j'ai plein de... Ouh, pouf, pouf, pouf. En fait, à part une... Ah oui, on va voir. Encore le... Ah bah attendez. Il est unbreaking à 10, mais il a plus de durabilité. Alors, je sens le piège. Ça pue le piège. Je vais me mettre ici. Eh bien, continuons. C'est une invitation à continuer. Il faudrait de la bouffe. Oh, de la redstone. Beaucoup de redstone. Ah, faut voir quel lequel il faut que j'active. Hein. Ok, ça doit vouloir dire que c'était pas le bon. Bon, j'ai une chance sur deux. J'ai de la chance dans la vie, bordel. Il y en a combien ? Maman, ah mon Dieu, ça s'est refermé derrière moi. Maman, quoi? Ah, le roi s'est réveillé. Hein, quoi? Je n'étais pas en train de dormir, je vous attendais. Tu l'es tous, mais je suis tout seul. Bon, ça me fait de l'XP. Voilà, beaucoup d'XP. Je la prends, l'XP, si je peux enchanter mes affaires. Ok, roi squelette, c'est à toi. C'est le roi squelette ça? Non, c'est un zombie ça. Tu te fous de moi, Herbrine. Bon, bah de toute façon, voilà. Oh, une magnifique épée en iron. Alors, ça, je la veux bien surtout. Ah, bah non, c'était pas le boss parce qu'il a pas droppé le. Non, non, il est là. Il est là. Il est là, le roi squelette. Coucou, roi squelette. Ah, ah, roi squelette. Ah, bah, heureusement. Ah, bah, c'est tout. C'est tout entier capable. Où il y en a d'autres des squelettes. Non, parce que là, je vois plein de monstres partout. C'est terrible. Où est le roi squelette? Mais laissez-moi en paix. Oh, un arc. Ça, je veux bien. Mais avant toute chose, je vais en vitesse. Oh, putain, non. C'est une épée enchantée. Oh, ça, je la garde. Je garde l'épée enchantée. Plus de monstres. Aïe! Wow! Ah ouais, c'était PL et utile, hein? Effectivement. J'ai toujours pas de disque. Ben non, ben en fait, j'ai toujours pas buté le roi squelette. C'est toujours pas lui. Où il est? Ah! Ah, ça continue par là. C'est peut-être pas lui. Aïe! Ni! Assez, les monstres! Heureusement. Allez, heureusement, l'épée est très utile. Voilà, ouf. Putain, dites-moi qu'il y a de la bouffe. Oh, alors lui, par contre, lui et l'épée, en fait, c'est la même, non? Sharpness, Ban of Andropause. Oh, c'est exactement la même, sauf qu'elle a la durabilité au max, je vais pas me faire chier. Je voudrais de la bouffe, s'il vous plaît. Bah, attends, bah, j'ai de la bouffe de zombie. J'en ai plus le début. Qu'importe si ça me rend malade, au moins là, ça va remonter la vie. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce que je demande. Ça va pas Arrêtez de me tomber dessus, s'il vous plaît. Putain, heureusement, putain, cette épée, elle est utile, hein. Ah, je vous dis que ça. Encore des... Bah... Oh, de la vraie bouffe. Mon Dieu, que c'est plaisir. Oh, c'est un vrai bordel dans cet inventaire. Bah, déjà, je vais jeter tout ce qui me sert à rien, genre ça, par exemple. Genre ça. Genre ça. Ouh, tu es inutile. Oui, c'est ça, sauf qu'en fait... Il n'est pas cassé, celui-là. Donc, on va le garder.
Les autres, bah, tiens, voilà, Iron Boot, lui aussi il est pété. Oh, l'arc, non, il est enchanté. Le même, ouais, complètement le même, sauf que lui n'est pas pété. Donc hop, on le range. Les chain boots, elles sont pétées, les miennes non, et voilà. Non mais il faut savoir, je fais un peu de la place, hein, parce que sinon regardez-moi toutes les merdes que j'ai. Et les stone swords, c'est pour le moment, j'en ai plus besoin. Je garde les os, sait-on jamais. La bouffe là, les potions, je les mets en bout. Ah oui, non mais là je me fais mon petit bric-à-brac, hein. Je pense que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent. Je préfère avoir un inventaire bien rangé, pour me parer à toutes les éventualités. Bon, alors, il y a quoi ici? Il y a quoi qui va me tomber sur la gueule? Bon, normalement on devrait rien avoir. Encore un truc. Je les ai déjà au maximum, c'est de là, non? Bah ouais, en fait, c'est les deux seuls que j'ai. Donc, je vais me contenter de la potion de soin. Attends, oh, instant healing. Ah! Ça, c'est de l'instant healing. Alors, la régénération, je la mets là. Et l'instant healing, je la garde. Après, il y aura bien un boss, hein, donc... Je préfère refermer les... Ok, ce levier ne sert strictement à rien. Ce n'est pas grave. Alors, oh, excusez-moi, il y a un peu de cri derrière. Ouh! Ah bah oui, bah c'est lui, sauf que lui, il est... Et une potion de Instant Elf 2. Instant F, Instant Elf 2, je préfère notamment la 2, hein. Voilà. Holy fuck! Qu'est-ce qui se passe? Wow! J'ai eu une altération d'état? Bah, qu'est-ce qui me l'a causé? Vous connaîtrez la suite de cette aventure au prochain épisode.